La peur, c'est un démon qui est né en nous. Ce démon est né lorsque Adam a transgressé les lois et les fondements de la paix donnée par le Grand Hachem. Voilà pourquoi je dirais, la peur est un ego qui est né en nous dès le commencement que nous sommes devenus humains. Écoutez, Elohim Jabaot appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Et Elohim Zabot renchérit. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Genèse 3, verset 9, verset 10. Genèse 3, verset 9 à 10. La peur est entrée en nous lorsque nous avons transgressé les commandements de Grand Hachem. La peur, c'est lorsque la confiance est fragilisée par ce que tu vis dans le monde. La confiance de Grand Hachem que nous devons avoir au Grand Hachem est fragilisée par ce que tu vis. Ta situation matrimoniale. Tu as peur du divorce. Tu as peur du chômage. Tu as peur d'être pauvre. Et on dit ce que tu as peur dessus. Et ce que tu aimes te possède. Si la peur a peur de toi, la peur deviendra ton esclave. Et en même temps, tu deviendras le maître de ton destin. Voilà pourquoi Kismis, de serpent antique, fait peur toujours à ses disciples. Il n'apparaît jamais avec une seule forme. Il change de forme. C'est lui Kismis. As-tu peur? Laisse-moi te dire. Que la peur est née en nous. Lorsqu'un ange t'apparaît, il dit, n'aie pas peur. Lorsque le Grand Hachem vient vers toi, il dit, ne t'as pas peur. Prends courage. Il sait que la peur est née en nous. Mais qu'est-ce que le Grand Hachem a dit à Joshua? Prends courage et n'aie pas peur. Médite ce livre de la loi jour et nuit et tu auras du succès. Alors tu vois que le remède de la peur, c'est la méditation. Passer la méditation te fera découvrir toi-même. La méditation t'apprendre qui tu es avant de t'apprendre qui t'a créé. La peur vient quand
dans les soumissions, la rébellion devient un mode de vie, de vie dans la société. Les premiers êtres humains, Adam, Élie, parce que Ève n'était pas la première femme créée, pas de Greta Chien, mais bien Lilith. Ils ont désobéi. Voilà pourquoi Lilith a été chassée du jardin de la béatitude. Et Ève a été créée. Même là, quand il a été créé, elle a été créée. L'exhibition est venue puisque elle a refusé la voie de Greta Chem pour accepter la voie de la désolation.